Oh bah le Scott Ski Test, il est basé plutôt sur une réunion de passionnés de magasins qui viennent essayer nos nouveautés chaque année et qui sont fidèles à Arèche depuis 3 ans. Donc on est très content ici parce qu'on peut combiner de la randonnée avec nos guides et puis du test et du freeride. On a Sébastien Michaud qui est là aussi, qui encadre les gens. Et puis surtout on se rend compte que c'est fait dans une certaine simplicité puis basé beaucoup sur les produits. Donc on a mis à disposition des skis, on a mis à disposition aussi pratiquement toutes nos chaussures pour tester. Donc c'est important que les vendeurs et puis les propriétaires de magasins soient un peu mieux informés sur le produit, sur la neige et de son comportement. Outre une gamme de skis fat, on va dire depuis 122 sous le patin, 115, on appelle les scrappers et les punishers en 110-95. On a développé à côté de ça un secteur montagne, ski randonnée et puis ski alpinisme assez important maintenant qui représente presque la moitié de nos ventes. Et ça commence à prendre beaucoup d'importance chez nous. Donc on se concentre beaucoup sur le monde de la chaussure, notamment la chaussure de randonnée. Et randonnée, on va dire, on parle des Cosmos et puis des super guides en carbone qui sont des chaussures rando frisky, plus orientées pour montée-descente, mais très très stable à la descente. Donc à côté de ça, on a un petit nouveau qui s'appelle le Speed Guide, qui est un programme, on va dire, léger, polyvalent et qui reste quand même un ski en dessous de 1200 grammes, donc 1150 en 170, qui n'est pas destiné à faire des courses de ski alpinisme, mais qui est plutôt destiné, on va dire, à se comporter à la fois en montée de façon facile, légère et performante et garder toujours ses capacités de skiabilité à la descente. Donc pour nous, c'est vraiment un facteur important. On ne fait jamais un ski que pour sa légèreté. Hors de question, une chaussure pareille. Donc on essaie de donner un bon potentiel de skiabilité, de polyvalence aussi. Elle existe en Pebax et en carbone. Et ça, à mon avis, tu prends un ski pas trop large, un super guide 88, un peu long. Tu peux passer ça, donc, tu arrives à en récupérer. Non.